Thank you.
Merci. C'est très utile parce que on met très longtemps à se chauffer sur un volcan. Il éclate. En attendant, pour parler de volcan, un petit détour par Haïti. Dans ce pays qui a été griffé de toutes les misères du monde depuis 5 siècles, il y a des peintres et il y a des poètes. Alors, ce soir, à main nue, comme ça, je ne vous apporte qu'un poète, parmi le plus grand d'entre eux, Franck Étienne. Franck Étienne, là, il est un peu mal connu par ici, mais il est mondialement connu par ailleurs. Et il a écrit 45 livres, je ne sais quoi, enfin bon, je vais essayer avec ça. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'oiseau schizophone. Schizophone. Alors cet oiseau schizophone, c'est un livre de 800 pages dans un français complètement détruit par le français. Chaque mot détruit un mot et qui en détruit un autre, Et c'est intraduisible, c'est totalement inexplicable comme langue, mais c'est complètement... C'est complètement intuitif. C'est vraiment le genre de réussite. Alors, j'ai ouvert, après avoir lu ce livre, qui parle de l'histoire habituelle, du gars pourchassé par tout le monde, parce qu'il est poète, parce qu'il est blogueur, que sais-je, journaliste, je ne sais quoi. Il court, et puis il y a des méchants derrière, qu'il appelle d'ailleurs le gant des gants d'acier. Et il court après comme ça, puis j'ai plus bon à la fin, bon, bref. Il meurt, mais il doit renaître, parce qu'il y en a toujours qui pousse. Mais moi, cette histoire-là, moi, c'est pas tant ce que ça raconte, c'est quoi, c'est sur la manière, quoi. Alors, ce Franck Étienne-là, il est épouse du flanc. J'ai pris une page, puis je me suis dit, il faut que je rentre là-dedans, il faut que j'écrive, faut que j'apprenne une page au moins un petit peu, quoi, pour voir un petit peu ce que c'est. Et puis, je me suis aperçu que la page que je lisais, auquel je ne comprenais rien, c'était le lamento d'un tortionnaire, violeur, tout, enfin, l'affreux d'un pays totalitaire, enfin, vous voyez, etc., qui se lamente sur la décrépitude de ses organes sexuels. Et il est tellement au fond du désespoir de ça qu'il est obligé de casser la langue française parce que vraiment, elle n'est pas suffisante pour dire cette douleur-là. Et ça donne ça. C'est page 558, quoi. Il faut baisser le micro parce qu'il est trop fort. Non ? Merci. Oui ? Faudra que je... Ah, pas assez ? Faudra que je prise garde d'une stratégie roublarde, d'une tactique débrouillarde pour échapper loin du brouillard au siège de ma bouboulina. Ma jalouseuse boulotte. Mon boulet de canon, ma boule dégringoleuse. Ma bouline galérienne qui m'entraîne à sa guise dans les eaux de la guille. Cette mulette ombrageuse, bridée, sanglée, qui rue dans les brancards au moindre quart de lune. Cette vieille enfoirée. Cette flapute audacieuse, cette madrigueuse malou qui m'enflotte, m'entripote et
tourbillonnaire et folle d'un cyclone déchaîné au fond d'un sac. Infect. Voilà. Ça, c'est pour Franck Etienne. Celui-là, ça va être plus difficile parce que je vais, en fait, l'entrecouper de poèmes, de poésie, qui est des poèmes complets d'Edouard Glissant. Donc, je vais le jouer.
je vais le dire, et je vais le jouer, et je vais le dire. Ici commence la cassure. J'apprends qu'il y a eu bataille. Mais le champ est désert, je suis l'obscur témoin. Il n'y a pas eu de combattant, mais une seule éternelle défaite. Ainsi, les cafres, les mectres, les marrons, les maronis, les pelés, les cinabres, les saramacas, austrasiens fous, les sept hivernants des jets et vélans de toute Éthiopie. Femme qui navigue un enfant mort au sein. Femme qui va un chevreau mort au sein. Femme grippée sous la neige, grippant leurs enfants qui sucent leur sein de pierre. Les grands chaos s'en sont venus. Les grands chaos sont sur la place. Les grands chaos sont sur la place. Thank you.
vous, je suis un musicien de free jazz. Cette île, puis ces îles toutes unies, nommez-les, criez-les, le temps est là. Oh, pays, pur visage, visage impur et blessé. Une autre terre m'appelle, c'est Afrique. Et ce ne l'est pas. Elle me fut terre silencieuse, mon noir pays, miroir brisé. Je t'ai nommé terre blessée où crie le noir silence qui m'étreint. Chaque visage est un appel. Chaque visage est un appel. Chaque visage est un appel. Il n'y faut qu'un étal de larmes. Les grands chaos s'en sont venus. Les grands chaos sont sur la place. Les grands chaos sont sur la place. Thank you.
Je vous remercie.